Alors ce matin là, on arrive à voir les côtes anglaises. Est-ce que je suis bien? Ouais, voilà. Je sais pas si on verra sur la vidéo, mais pile, voilà, on voit le toit blanc là qui est là, là. Alors les deux toits noirs, le toit blanc. On remonte à la verticale. Tac, voilà. Là, ici, pile en face, là, vers le milieu. Il y a le bateau là qui a tout l'air d'être rendu à quai. De l'autre côté là, du côté anglais. Bon, il y a une petite brume qui commence à monter là tout doucement, mais là on arrive à distinguer là les côtes anglaises. Bon, sur les précédentes photos là que je viens de prendre, là on voit un peu mieux. Alors je suis en zoom 8x là sur le téléphone pour ceux qui veulent un peu plus d'infos. Et là je suis appuyé contre un poteau pour ne pas bouger. Vous entendez l'accent anglais là qui arrive de l'autre côté? Non, moi non plus. Alors, c'est cette forme sombre, ce trait sombre là qu'on voit là entre le ciel et l'océan là et la Manche, pardon. Alors pas le trait noir, enfin pas le trait noir entre guillemets qu'on voit, mais juste au-dessus un trait plus clair. Plus clair mais plus foncé que le ciel. Oh, c'est explication à deux balles. Et je suis où? Oui, voilà. Ouais, donc en partant du bas, le deuxième trait qu'on voit. Comme ça c'est plus simple. Et bien voilà, c'est les côtes anglaises. Alors que je... Ouais, là. Juste après la quille là qu'on voit là-bas, enfin la quille, le repère qu'on voit là-bas, on voit bien. Là ici, ouais, voilà. Tac. Alors je vais essayer de revenir sur le bateau. Ouais, il est. Alors. Que je reprenne mes repères. Ouais, alors ah oui, ça ici, les deux toits noirs, le blanc. Je monte à la verticale, voilà. Ouais, depuis tout à l'heure le bateau il bouge plus, il est droit devant et la brume est en train d'arriver, on le voit plus trop. Et ouais, là il est accosté là sur Angleterre. Oh oui. Eh bien, il faut que ça soit juste le jour où on reparte, qu'on ait cette chance d'apercevoir les côtes anglaises. Ouais, voilà. Allez, nous on a de la route. Allez, 3-4 km pour rejoindre la Gironde. À plus tard. Alors voilà, on est lundi matin, on part tranquillement, 9h. Je rigole parce que vendredi matin, on est parti à 6h. Là, qu'est-ce qu'on en a à faire? Il est 9h, on arrivera quand on arrivera. Donc là, on est à Calais, et direction plein sud. Rejoindre la Gironde mais quand on arrivera. Bon alors, les QRM qu'on voit là, eh bien,
faut que je débranche tout le bloc, tout ce que j'ai de branché sur la MCR, la caméra de route avec, pour plus avoir de parasites. Donc, il n'y a pas autant que ça de parasites sur Calais. Bon, et on va pas exagérer non plus, il y en a quand même. Ah ben, tiens, j'ai entendu le sifflement se faire entendre. J'ai le poste dès ce matin, là, qui est déjà pas content. Bon, c'est pas grave, ça n'empêche pas de marcher, je verrai ça plus tard. Attention des stations fréquences pour Dundee 33, qui l'on s'appelle en mobile depuis Calais. J'espère que sur le bouquin de Nikon 2, il s'est indiqué ce que ça veut dire ce truc-là. Attention des stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis Calais. Bon, c'est pas grave. On va commencer par tracer la route, on verra plus tard. Ah, c'est chiant ça. Attention les stations fréquences, est-ce que quelqu'un a des infos là sur l'autoroute? Pourquoi là d'un seul coup on se retrouve à 40 km/h? Ah oui, il doit y avoir des travaux. Ok, c'est aux environs de la sortie, sortie 31. Voilà, Saint-Omer, sortie 31. De la sortie 31, enfin dans les environs de la sortie 31, tout le monde bascule sur la voie de gauche. Oui, 73-51, la station de la part de Dundee 33, voilà sur l'autoroute, aux environs de la sortie 31, dans ces coins-là, là sur l'autoroute, il y a des travaux. Bon, j'ai entendu quelqu'un parler, mais bon, c'était très très furtif. Bon, voilà, c'est ça. Alors, les stations en fréquence, à la hauteur de la sortie 31, Saint-Omer. Bon, il y a des travaux, tout le monde est sur la voie de gauche, on avance à quoi? À 50 km/h. Voilà, donc la prudence quand on arrive dans le coin. Oui, la station. Ah, ça a été très petit, là, j'ai entendu juste une seconde. Bon, même si c'était qu'une seconde, il y a quand même du monde dessus. Moi, je viens de faire un tour de galette. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne. Ça veut simplement dire qu'à la seconde même où je suis passé, on n'a entendu personne. Ce qui est différent.
moins le temps de voir le paysage. Souvent les gens sur les autoroutes se disent c'est monotone, et bien pas là. Là, il y a un dôme là-bas à droite, là, qui a l'air de cacher quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Les antennes à gauche, là, c'est quoi? Oh, peut-être pour la télé. Et oui, il y a du monde. Il y a du monde sur le 19. Allez, tape la 22 à droite. Changement d'autoroute. On a un peu la sortie 23. Papa 22 juste devant. Attention, station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis la A28 à la hauteur de la sortie 1. Ah, c'est chiant ce sifflement, ce souci là qu'il y a. Quand on ne sait pas ce que c'est comme ça, c'est pas évident. Boîte à image à droite. Attention, les stations là du côté de la Normandie pour Dundee 33 qui vous appelle depuis la A28.
y a quelqu'un qui a une moustache là, dans le coin. Pendant qu'on est dans le tunnel, tout à l'heure, là, j'ai doublé à 1000 pattes. Et on voyait clairement là, son antenne décibi plaquée derrière la cabine. Et voilà, plaquée à la verticale derrière la cabine. Ah, c'est ça, dans ces cas-là, l'antenne est vraiment discrète. Ben, elle est discrète de tous les côtés. Et puis le réglage de l'antenne, il vaut mieux même pas en parler. Et ça soit beaucoup du côté des routiers français, ce type d'installation. Ah ouais, c'est sympa la décoration. Attention, les stations en fréquence pour Dundee 33 qui dans s'appelle sur le canal 19. On voit qu'il est déjà à midi moins 10, midi moins 5. Oh, il y en a qui ont dû rejoindre l'apéro là. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis l'autoroute. L'autoroute à 28. Eh bien c'est pas grave, nous on va continuer pendant ce temps-là. Oh, j'ai entendu du monde dans le lointain, c'est le cas 19. Et 73-51, les stations de la part de Dundee 33 sur l'autoroute 28. Ah, c'est beaucoup trop QRP là de mon côté là, pour sortir quoi que ce soit. La bonne route, la station. Peut-être à tout à l'heure si on se rapproche. Attention, Nicolas de Tours pour Dundee 33 qui t'appelle. Attention Nicolas pour Dundee 33 qui t'appelle. Toujours un petit problème derrière du poste. Attention les stations de Tours pour Dundee 33 qui vous appelle. Ah, j'ai entendu quelque chose. Et 73-51, la station de Dundee 33 là sur l'autoroute A10 là sur Tours. Ben c'est pas grave, si tu m'entends la station, ben bonne journée, bonne route si t'es sur la route.
Ah, je viens d'être moustaché. Il y a quelque chose qui se cache où? Je ne trouve pas. Bon, attention, les stations fréquences pour Dindé 33 qui lance appel depuis l'autoroute coincée là dans les bouchons là sur Tour. Ouais, je sais, ouais, les 73-51, voilà, mais ça va, je suis sur le retour. On a passé tout le week-end là, sur Calais, là-haut, là, avec les migrants. Ah, chier trois coups. Ouais, je sais, j'ai un petit souci derrière, je sais pas ce que c'est. Ça m'affiche un message là, sur l'écran, là, la place de la visualisation là, du taux, ça, sur le Nikon 2. Et puis, comme j'ai pas le bouquin sous la main, je peux pas voir ce que c'est. Bon, on va se croiser, parce que si je suis sur autoroute à 10 et puis votre bouchon, si toi t'es dans le sens de Bordeaux, on va se croiser. Oh oui, là tu m'arrives un peu trop fort. Ah, regarde bien, tu vas reconnaître mon camion. Le jaune, oh putain la vache, oui, je viens de te croiser un instant. Je suis dans ton rétro, sur le côté gauche. Comment tu vas? Putain, il marche toujours aussi bien le Striker, hein, et puis l'Antenna Bec. Hein. Ah, je te le dis, moi. Oh putain, la vache. Ah oui, j'ai dit que ça marche bien. Ah ouais, tu m'étonnes. C'est sûr que là, tu peux le conseiller, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, mais je t'ai entendu, j'ai dit, oh putain, la Denis qui arrive. Ouais. Et puis en plus ça tombe bien parce que là je suis en train de faire une vidéo, donc c'est nickel, c'est dans la boîte. Bah ça est assidé d'un disparu, maintenant t'as l'air nickel. Attends. Ah oui, voilà, leur sifflement, le sifflement qui revient. Ah, il m'ennuie et je commence à m'ennuyer sans lui. Ah ouais ouais, là il est revenu, ouais. Ouais, je sais pas trop ce que c'est cette connerie là. Ça m'affiche un message là sur l'écran du poste, bref, je sais pas ce que c'est. Alors à l'aller, il m'a tout fait. Là le Lincoln, là, quand je passe en émission, j'ai même eu droit à l'affichage du volume à chaque fois que j'appuyais sur la pédale du micro. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ah ben je sais pas, ça a bien fonctionné pendant quelques secondes tout à l'heure, hein. Moi j'ai dit que ça passait bien et puis là c'est revenu. Ah ouais, alors là, ça m'affiche 59 Lima Oscar November. Je crois que c'est ça. Ouais, quelque chose comme ça. Alors là, je suis incapable de voir à quoi ça correspond. Ah bah ben, je ne sais pas non plus. Donc c'est alors que tu redescends sur Bordeaux, alors ça y est, le week-end a été bon. Ah, le week-end, il était excellent le week-end. Ah bah ben, j'ai passé tout le week-end là, à bosser dans ma salle de bain et quasiment fini. Ah ouais? Ah c'est bon ça, on va pouvoir venir se laver chez toi alors. Bah j'en ai une deuxième, hein, celle de bain, c'est pour ça que j'ai pu faire celle-là, on sait ça la deuxième en attendant. Tiens, t'entends derrière? Ah j'entends bien l'espagnol, moi l'italien là-bas derrière. Ok, putain la vache, ça va loin le bouchon. J'aperçois sur la colline là, droit devant en face. Non, oh nom de Dieu. Que 4 minutes. Ah bah le bouchon, on a pour environ 10 minutes. Hein. Oui, oui, bon, 10 minutes, ça c'est pour calmer l'atmosphère. Non, non. Mais je le vois là sur la colline en face. C'est ce qu'il y a marqué sur mon GPS. Ah, oui. Bon, en tout cas, donc, ouais, on est monté là tout le week-end, là, sur le comme tu as vu, là, sur le Pas-de-Calais. Putain, et les stations là où ils se cachent, hein, sans décoller. J'en ai, là on a M, j'en ai entendu quelques-uns. Hein. Et donc il y a du monde quand même de ce côté-là, malgré ce qu'on peut entendre parfois. Et dès que je leur envoyais un petit bonjour, soit paf, ça se transformait en silence radio, ou ça faisait aussitôt QSY. Si ben merde, il se passe quoi là, là-haut Donc je sais pas, c'est bizarre. Alors si c'est ça l'accueil du Nord, au secours. Bah ouais, mais le Nord, c'est le Nord, le Pas-de-Calais, c'est le Pas-de-Calais, c'est pas tout à fait pareil. C'est comme toi, Bordeaux et Marlon, quoi, c'est pas tout à fait pareil, voilà, voilà.
Ouais. Non, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Il répond pas, je sais pas. Ben ouais, c'est bizarre. C'est bizarre, puis après on voit sur les réseaux sociaux, là-haut il n'y a plus personne, Ben oui, mais déjà les mecs, quand quelqu'un leur envoie le bonjour, déjà ils répondent pas. Quoi. Alors tu m'étonnes que ça fait ce que ça donne l'impression qu'il n'y a plus personne. Ah ouais, moi je suppose que c'est passé par Rouen, et pas par Rouen le monde, c'est pas passé par Rouen. On est resté sur l'autoroute. On est resté sur l'autoroute depuis tout là-haut. Ah mais t'es pas passé par Paris, t'es passé par Rouen et Lyon. Oui, désolé. En plus j'ai pas mal de bruit là autour de moi avec la circulation. On a les fenêtres ouvertes. Parce que bon, il fait une chaleur à crever par ici. J'avais pas. Sur le coup, j'avais pas saisi. Ouais, c'est ça. Ah, ok, bah écoutez, je suis en train de te perdre, par exemple, le signal de 3 à 5, là, et la radio commence à devenir faible. Ah ouais, tu me fais une blague, là. Ah non, ça va, ok. Ah, c'est moi, j'ai pas un striker de la voiture. Ah, chie trois coups. Ok, ben je vais te laisser. Merci pour ce petit QSO, les 113-51, toi, bonne route. Et de mon côté, là d'où j'arrive, là, sur la route, c'est propre, hein. Mais vraiment, vraiment propre. Ah, mais moi, j'ai plus sûr que direction Angers parce que je monte pas par Tours. Ah, j'ai plus sûr que direction Angers parce que je m'en vais charger à l'ouest de Tours carrément. Ah, ok, donc tu restes dans le coin alors. J'ai chargé à l'ouest de Tours et après, je descends dans l'Allier à la Palisse entre Montmarault et Rouen. Ok, d'accord. Toi, là, nous, on est parti vers les 9h, ouais, 9h moins le quart de Calais, là, et puis on rentre tranquillement, on arrivera quand on arrivera, et puis voilà, quoi. Ah, bah, bien, là, t'es remonté en signal, là, c'est juste à de mon côté, là. Ah, voilà. Donc, je sais pas si c'est de ton côté ou du mien, on a dû passer dans une zone, là, où c'était pas très clair. Ouais, là, je vois que Julien Falima derrière qui a un petit peu chaud. Il a du mal à se décoller quand je relâche le micro. Bon, c'est un problème que je connais déjà, que j'ai toujours pas résolu depuis. Bon, c'est pas bien méchant. Ah bah oui, mais hey, t'as vu qu'il y a la nouvelle version là qui est sortie, 400 watts là du tien. La vache. Bon, il a le méchant radiateur en dessous, 400 watts de puissance. Au secours. Ah, chie trois coups. Ah, c'est par période, là j'ai entendu je disais qu'il y avait le nouveau Striker qui était sorti avec une puissance de 400 watts. Ah oui, c'est sûr. Bon, je vais te laisser. On commence à bouillir là dans le push. Là, on est à point là. Donc, je vais vite passer au QRT pour pouvoir réouvrir les fenêtres. Hachis trois coups. Bonne route à toi, plus. Merci, bye. Ok, ciao. La rotonda delante del hotel Ibi. Sí, habrá muchas. Bueno, ahí hay una que me parece que compra yo cosas. Pero qué cojones, que lo he pedido. Me cago en el tío Sotol. A ver, qu'on se trompe de dirección, mais normalement, on est du côté de Poitiers, là. Porque se rompe uno, o ven uno lo roba, o esto. Y todos los días están comprando de eso, pues.
Es con el hidropuesto, ¿no? Esto, rotativo. Pues me lo da, yo, sabiendo el remolque que llevo, ni siquiera preguntó. Bueno, ni siquiera me lo cogió él, le mandó a uno, vamos, ¿qué sé? Como que él no sé, se le caen los anillos. Y luego le llamo, digo que esto no vale. Pone eso, que ya le tengo pedido. A buen día, gancho. Es lo que tiene que hacer, tengo que saber yo ahí si lo que me has dado es bueno o es malo. C'est pour Dandy 33 qui l'on s'appelle depuis la National 10. Exceptionnel dans le coin. Ils vont moustacher, mais. Ah, tapis. Attention, station fréquence pour Dandy 33 qui nous appelle depuis la scène 10. Ah, j'ai entendu quelqu'un se manifester. Hein. Hey, c'est bon là, j'ai jamais manqué personne, on peut répondre. Hein. Attention les 1000 mètres que je viens de croiser avec les doubles antennes Wilson là sur le rétro. Attention les 1000 mètres que je viens de croiser avec les doubles antennes Wilson sur les rétro. Ah bah zut, tant pis. Attention, station fréquence pour Dandy 33 qui n'en s'appelle depuis la National 10. La station, ça m'arrive tout petit là, de mon côté sur National 10. Et bien 73-51 de Dandy 33 Rémi en push. Voilà sur la National 10 dans le sens nord-sud. J'ai énormément de mal à vous sortir aussi là, de mon côté, là c'est très très compliqué là, à entendre. Je disais donc que là je suis en push sur la National 10, dans le sens nord-sud, dans le sens je me dirige vers Bordeaux.
Voilà, je suis dans ce sens-là, nord-sud. Tu es dans le sens Bordeaux, tu n'orientes pas sur Angoulême, tu es dans le sens Bordeaux, là. Ok, je suis dans le sens Angoulême-Bordeaux. Alors, attends, sortie 72, Toufférac. Voilà, je suis quasiment arrivé à la sortie 72, Toufférac. Ah, j'ai pas tout compris, j'ai compris trop petit, j'ai pas tout compris, malheureusement. Moi, je voulais copier, mais tu vois, j'arrive pas à sortir correctement. Ok, voilà, et là, est-ce que ça va mieux là comme ça? Je sais pas. Je disais que là, j'arrivais, d'abord, les bottes 73-51 de Dundee 33, opérateur Rémi en Pouche, sur la National 10, et là, j'arrive à la hauteur de la sortie 72, tout Vérac, et je m'en vais en direction de Bordeaux. Ok, pour mon QRZ, c'est Dundee 33. Tu penses à Crocodile Dundee, pareil, sauf que tu mets 33 à la place du Croco, à Chitroaco. Et pour le prénom, c'est Rémi, Roméo, Echo, Mike, Yankee, Rémi. Ok, voilà, je t'ai perdu complètement à un moment donné, voilà, c'est revenu. Ah, j'ai fait dit, c'est Dundee comme Crocodile Dundee, pareil, Dundee 33, opérateur Rémi. Ah, c'est Dundee 33, c'est Dundee. Affirmatif, oui, c'est bien moi. Ah, super, c'est dommage. Ouais, je suis en train de te perdre aussi, là, c'est très très QRP de mon côté. En plus, il est en train de faire une chaleur dans le push. Quand j'étais entendu lancer un appel, j'ai vite fermé les fenêtres pour arriver à t'avoir en fréquence, car j'ai pas la clim dans le push. Ah, chi ! Je sens que le prochain véhicule, ce sera forcément avec, ça c'est sûr. Voilà, je suis pas loin de la sortie Brossac, sortie 73. Ah oui, là je suis en train de te perdre complètement. Bon, c'est pas grave. Je t'envoie les 213-51 et merci pour le petit coucou en fréquence. A plus et bon QSO à venir. Colibri, ok Colibri, c'est tout ce que j'ai réussi à capter, à entendre. Ok, Colibri, sans problème. Les 213-51 à toi. Merci Colibri. Ah ben là, ça y est, je t'ai complètement perdu là sur la fin. Il n'y a pas de problème, la bonne soirée à toi. Nous, on arrive du Pas-de-Calais. Hein. Voilà, et on rentre au QRA. Merci pour ce petit contact, à plus. Merci, je passe une petite mélodie. Ah, c'est génial, merci, c'est à la boîte. Merci, c'est super. Merci, les 213-51 à toi, 212 au QRA. Tu recopies les autres fois dans de meilleures conditions. Oui, oui, de toute façon, je serai amené à repasser par ici une prochaine fois, il n'y a pas de problème. Et il passe encore un peu. Toujours du monde de ce côté-ci. Comme quoi, le canal 19, il n'est pas si désert que ça. Il suffit de se faire entendre, tout simplement. Il n'y a pas de secret. Je vois beaucoup dire, je suis en écoute, je suis en écoute. Ben oui. Un convoi exceptionnel devant nous, mais ils sont pas très bonheurs. Hein. Oh.
Voyons à l'étage, puisqu'on a du temps devant nous. S'il y a de la propagande. Ouais, je vois dans l'ombre que l'hôtel est toujours sur les toits. Il y a mille vélos qui arrivent en face. Voilà, comme c'est là, on doit être entre deux propagues, on va dire. On est en septembre, donc là, la propagaieté touche à sa fin. Et prochainement, ben, on aura la propague hiver. À faire affûter les antennes, je pense, ben, du côté du Québec. Cet été, dans le nord de la France, certains ont pu faire quelques contacts ou les ont entendus. C'est un très bon signe, ça. Sûr, on ne faut pas laisser de vitesse, on est à 50. Alors on a en gros à une heure de route là du Cuira. Et je crois qu'au niveau température, là, vu comment on sent dehors, il doit bien y avoir quelque chose comme 35-36. Hein. Il y a des chances. Ouais, là, on serait quoi, à une demi-heure du Cuira. Ah, c'est bon, ça. Bon, on a fait un petit bout de route avec eux. Dommage qu'ils ont été aussi silencieux. Ouais, pourtant, j'ai vu sur la voiture de tête d'antenne de Sibi. Ah, c'est une petite. C'est une président, une petite. Même la faire presser les pneus comme le Starkey Hutch. Première droite. C'est le rond-point. Non, vraiment, c'est un rond-point. Visite. On ne savait pas quoi faire cet après-midi, on visite. On n'est pas sur 7 km. Ah, mais parce qu'on lit. Ouais. Là, il me demande de tourner à droite. Alors, quand il y a un stop, qu'est-ce qu'il faut faire déjà? On s'arrête. Ah ouais? Je croyais que c'était passé de mode. La mode existe toujours au stop? Alors là, à droite. Ah oui, parce que j'allais te dire, si tu me dis en face, non, à droite. Je joue les contradictoires. Oui, non, il n'y a pas de soucis. Tu peux. Là, tu sais,
route quand on va à Poutras, je crois. Si on va tomber sur... Oui, je reconnais mieux. Là. Voilà, donc je peux enlever mon téléphone. Tu peux l'éteindre. Ici on est loin de tout, donc c'est pas gagné d'avoir quelqu'un en fréquence. Là on est un peu dans la France profonde. Prenez comme vous voulez. Attention les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'on s'appelle. Attention, une station fréquence pour Dundee 33 qui l'en s'appelle. Attention, une station du côté de Saint-Émilion pour Dundee 33 qui vous appelle. Un nouveau justement de ce côté-là, pas là où je suis en train de passer, mais sur cette, dans le secteur, dans les environs de Saint-Émilion. Il est également sur le forum et sur le groupe Facebook, la planète Sibi francophone. Sur les stations fréquences pour Dundee 33 qui l'on s'appelle en mobile depuis Coutras-Abzac en direction du Cuira. Voilà, nous sommes quasiment rendus. Un super paysage, c'est bien ballonné là de l'autre côté. Attends, on va laisser passer le cœur. Voilà, c'est bon. Alors, en chiffre, allez, on va dire qu'on a fait 1907. Le temps d'arriver, 1910 km. Juste, c'est une petite balade, quoi. Sur un long week-end de 4 jours, ça va, on a vu du pays. Et voilà, Sainte-Colombe.
Donc ça a été vraiment sympa. Quelques bons QSO. Un visu totalement improvisé. Ça, j'aime. Avec un peu de temps, ça aurait pu aller autour d'une table avec un bon verre de bière. Bière du Nord, bien entendu. Allez, 73-51 tous. 212 au QRA, de la part de 14 km 33-01, 22-33, opérateur Rémi, accompagné bien entendu de la Voix des Andes. A plus.